C'est le journal créatif. Alors, on est au 31e journal créatif. Depuis que j'ai commencé ce style de vidéo. Bon, comme d'hab, hein, je suis coiffée avec un râteau, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui ne connaissent pas ces vidéos, c'est une récap de tout ce que j'ai fait pendant la semaine, en broderie, en tricot, crochet, des diamond painting et puis tout loisir que j'aurais pu faire entre deux. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler diamond painting, on va parler broderie, on va parler un petit peu de tricot. Crochet et puis ben c'est tout, ce sera déjà pas mal. Alors, ce que j'avais prévu de faire la semaine dernière, enfin ce que j'avais prévu lors de la dernière vidéo, pour cette semaine, je m'étais mis un petit challenge perso, voilà, de faire au moins 3000 croix cette semaine. Voilà, donc ça je vous dirai tout à l'heure si j'y suis arrivée ou pas. Donc je voulais absolument faire une moyenne de 250 croix par ouvrage. Bon, en sachant que cette semaine, c'était un peu semaine médicale, j'avais rendez-vous chez mon médecin traitant, j'ai eu rendez-vous chez mon neurologue. Mon médecin traitant m'a envoyé faire des radios et je dois faire un IRM, mais l'IRM je ne l'aurai pas avant le mois d'avril parce que comment ça s'appelle, le genou. J'ai le genou qui commence à partir un petit peu en vrille. Il me fait déjà de plus en plus mal et puis je coince de plus en plus. Donc là pour l'instant sur les radios, on a trouvé de l'usure et un épanchement également. Bon, l'épanchement c'est pas grave, hein. Donc on verra après avec l'IRM, mais bon, mon médecin m'avait déjà dit s'il pense que c'est le ménix. Et si c'est ça, il risque d'y avoir opération. Donc, on verra. Mais bon. Je vous en reparlerai le moment venu, hein, vous inquiétez pas. Alors, j'avais prévu, niveau broderie, c'est toujours à peu près pareil. Hein. Mon dragon, le dragon White Book. Mon jus de carotte Lily Point. Les ronds bleus de chez Lanat, mes pans royaux de chez All Forest, le All Forest de comment
de Julia, enfin qui le salle de Julia pour un hall forest, le salle de ma maison météo, le salle mystère de Sabine, le salle également de Alice au pays des merveilles, le salle du Nouvel An, il y a beaucoup de salles. Ensuite, où j'en suis là. Le nouveau salle que j'ai mis en place sur le groupe avec une création de Sabine, c'est-à-dire le colibri. Le Bouddha, donc ça c'est une création de chez Sabine également. La grenouille, toujours de Sabine. Mon toast à l'œuf, donc ça c'est un modèle de chez Magic Needle. Ma broderie du dimanche soir, ma broderie estampée. Et ma steampunk si j'avais la toile. Parce que vous vous rappelez que je vous avais dit que mes toiles, les plus grandes que j'avais pour faire cette broderie, il me manquait 5 cm. Voilà. J'ai d'ailleurs une de mes abonnées qui me disait pourquoi ne pas le faire en... Comment? Un sur un, donc un fil avec un fil de trame, mais j'aime pas beaucoup. J'aime bien moi que bah, déjà pour mes yeux, hop, il y a mes mères qui arrivent. Déjà avec mes yeux, je trouve que un fil sur un fil de trame, c'est très petit pour moi. Voilà. Et là, je m'inquiète pour ma lampe loupe parce que quand elle reste allumée trop longtemps, elle chauffe. Et tout à l'heure, elle s'était même éteinte toute seule. Donc, si j'ai plus de lampe loupe, là, c'est même pas la peine. Je ne pourrais même pas faire en un sur un, de toute façon. Voilà. Il y a mes mères. Il y a de ma mémère. Oui, c'est ma mémère. Ensuite, j'avais prévu ben, le DP. J'avais prévu en tricot le débardeur de chouchou, mon pull Fildard et le pull camionneur. J'ai toujours les mêmes pulls sur les aiguilles en ce moment. Et voir pour le circulaire. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Non, et il y avait aussi couverture météo, la 2023 et la 2024. Voilà. Ça va? C'est cool? Ouais, c'est cool. Alors, bah on va commencer comme d'habitude par le DP. Alors, vous, pour celles qui ne connaissent pas, je mets des chapitres maintenant, comme ça vous pouvez aller voir la partie de la vidéo qui vous intéresse. Voilà. Donc, Fifi, tu vas laisser maman? Oui, oh non, 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 des gros bisous. Oh, t'aimes bien embêter maman. Hein. Attends. Oh, bah oui, mais maman, elle aime bien t'embêter aussi. Voilà. Je pense que vous avez vu en début de vidéo, je vous ai mis 2, 3 photos de Fifi pendant que j'étais en train de faire ma couverture. Vous avez pu voir que c'était super pratique à faire. Hein? Allez, maman, elle peut montrer? Oh là là, c'est pas de l'amour, ça. Hein? Allez. Voilà, c'est gentil. Alors, le DP. Alors, on va essayer. J'ai fait 2 cases. Voilà. Donc, ben, c'est pas fait exprès, mais ça se suit dans la diagonale. Donc, j'ai fait la 3 et la 7. Voilà. Alors, je ne sais pas. Si vous arrivez à deviner déjà ce que c'est, voilà. Alors, j'ai fait mes cases très tard, c'est-à-dire aujourd'hui en fin d'après-midi. J'avais vraiment pas eu le temps de les faire avant
Et j'ai cru que j'allais pas les faire cette semaine. Mais bon, je les ai faites. Donc c'est très bien. Je vous remets la photo, c'est plus pratique pour moi. Hop, voilà. Alors, on m'avait demandé également, parce que j'ai malheureusement, je suis désolée, j'ai pas répondu encore à tous les commentaires. Ce que je mettais, bah, du coup, je reprends. Ce que je mettais comme feuille ici. Alors, c'est une feuille comme une grande feuille à dessin, on va dire, hein, mais de couleur noire. Par contre, il ne faut pas mettre ça directement sur le DP. En dessous, il y a une feuille de papier cuisson. Voilà, parce que si vous mettez ça sur le DP, ben, le DP est mort, hein. Il faut protéger en dessous. Donc avec une feuille de papier cuisson pour pas que le papier noir colle sur le DP. Voilà. Vous avez compris? C'est déjà en train de tourner. Ben oui. On va faire la petite pause déjà. Pause pipi, hein. C'est pas moi, hein, c'est eux. Voilà, la pause pipi est terminée. Allez, on en revient au diamond painting. Donc vous avez vu, je vous ai mis l'image pour que vous puissiez choisir deux cases ou trois si vous souhaitez que je ferai la semaine prochaine. Voilà. Donc je ferai les deux cas, au moins les deux cases qui ont reçu le plus grand nombre de votes. Voilà. Là, de toute façon, il reste 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en reste 12 à choisir. Excusez-moi, je m'étrangle. Il reste 12. Donc, si j'en fais 2, il restera bah, 6 semaines. Si j'en fais 3, 3, il restera 4 semaines, un mois. Mais bon. On essaiera de le faire plus vite si c'est possible ou pas. Donc voilà pour le DP. Nous allons parler maintenant broderie. Alors, broderie, là franchement, je n'ai pas pu tout faire. Mais j'ai quand même bien brodé, mais je n'ai pas pu travailler sur tous mes ouvrages. Vous l'aurez compris, comme j'ai manqué pas mal de temps cette semaine, j'ai vraiment pas pu tout faire. Non plus, bon, aujourd'hui j'ai fait un petit peu sur un seul ouvrage et j'étais un petit peu en cuisine, vraiment un petit peu, mais ça prend du temps. Parce que j'ai voulu faire des. Alors ce matin déjà c'était les courses, la pharmacie, tout ça. Et j'ai voulu faire des. Alors ce que nous on adore, c'est du riz au lait rhum raisin avec du caramel dans le fond. Donc j'avais fait ça aujourd'hui. Je vous ai mis la photo pour vous faire languir. Mais le riz au lait, ça prend beaucoup de temps. Voilà, il faut rester devant la casserole. Sinon, on a des surprises. mais bon, ça m'a fait du bien de faire ça un petit peu, de sortir ma tête de la broderie un petit peu. Ça m'a fait du bien. Donc, je vous avais dit que cette semaine, je souhaitais faire 3000 croix environ. Voilà, je vous dirai à la fin de si je réussis ou pas. On m'a dit aussi que je donnais l'impression de pas prendre de plaisir à broder parce que je suis comment je vais expliquer ça? Ben, je travaille sur beaucoup de broderies.
Je compte mes points, les points que je fais, voilà, tout ça. Mais non, c'est ma façon de faire. Voilà, j'aime bien avoir plusieurs ouvrages en même temps. J'aime bien compter mes points parce que ben, comme ça, je sais où j'en suis. Je connais comment si j'avance sur ma broderie ou pas. Je rassure, c'est toujours un grand plaisir pour moi de broder. Voilà, mais c'est ma façon de faire et je la changerai pas de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, cette semaine. Comme d'habitude, alors le lundi, je fais toujours la même. Les autres, c'est pas, ça n'a pas de jour précis, mais celle-là, bon, elle a toujours, je la fais toujours le lundi. Et c'est ma bête noire du moment. C'est ma bête noire du moment. Voilà, mais ça va, ça avance. Mais alors, c'est bourré d'erreurs, hein. Là, je suis dans le feuillage, hein, à la fin de la broderie. Mais c'est bourré d'erreurs. Mais vous voyez, ça se voit pas, hein. Bon, là, il y a encore un petit peu de feuillage à faire par ici, je crois. Voilà. Mais bon, qu'il y ait des erreurs ou pas, je le vois pas et je m'en fiche. Donc, il me restera une grande feuille à faire ici. Puis, il y en a une ici aussi, je crois. Voilà. Mais au moins, ça avance. Ça se termine. Donc j'avais dit fin février, j'ai pas réussi. Là, on va dire fin mars. On va essayer. On va quand même essayer pour fin mars. Nous sommes quoi le 9, je crois, aujourd'hui, 9, 10. Donc il reste une vingtaine de jours. Mais bon, je ne suis pas tous les jours dessus. Là, pour l'instant, c'est vrai que je suis dessus une fois par semaine. Mais il faudrait que je me mette à fond. Mais c'est vraiment. Alors, si jamais vous faites celle-ci de broderie, un conseil, ne faites pas le feuillage à la fin comme moi. Non. Ou alors, faites, bon, vous faites cette partie-là, vous faites le feuillage là. Vous faites la carotte, faites le feuillage là en plus. Celle-ci, hop, voilà. Alterner pour pouvoir faire parce que cette partie-là est vraiment 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 rébarbatif. Voilà. Mais sinon c'est trop trop beau, j'aime beaucoup. Voilà. Et je vous montrerai à la fin Lily-Point sort encore des nouvelles grilles. En ce moment, ils sont très productifs hein, chez Lily Point. Ça y est. Ah, mon écrate. Ils sont très, très productifs en ce moment chez Lily Point. Pour notre grand désarroi, surtout pour le banquier. Mais voilà. Alors, je vais essayer de les prendre en suivant. Si je vous dis, c'est peut-être pas. Dans ce sens-là que je les ai fait. Celle-là, je l'avais faite dimanche, je crois. Alors, je regarde. Oui. Alors, mon petit dragon. Voilà. Il est toujours aussi chou. Voilà. Donc j'ai fait dessus 341 croix. En tout, j'en ai déjà fait 2117 et je suis arrivée à 60,85%. Il me reste uniquement, je vais y arriver, 1362 croix à faire.
Donc, si j'arrivais à faire une moyenne de 4, ouais, 400, on va dire 400, 450 croix, en 3 fois, il serait terminé. Voilà. Il est trop choupinou. Petit dragon en train de lire. Alors ça, c'est une grille de chez Etsy. Hein. Normalement, je vous ai remis tous les liens en barre d'infos. Alors, je ne sais pas combien de temps du coup la vidéo va durer, puisque comment je n'ai pas pu tout faire, mais bon, c'est pas très grave. Ici. Alors, ici, c'est un sale que moi j'organise. Oh, j'ai tout fait tomber. Attendez. Excusez-moi. Oui, c'est un sale que j'organise. C'est un modèle de chez All Forest. C'est un modèle gratuit. Il existe en 2 versions, la version 3 couleurs ou la version multicolore. Moi, j'ai fait la version 3 couleurs. Et c'est le Alice au pays des merveilles. Voilà. Alors, le mois dernier, j'avais fait toute l'arche ici. Et là, j'ai commencé. Donc, il va y en avoir un de chaque côté. Donc, j'en ai déjà fait un. Il me reste à faire les cœurs en rouge. Voilà. Donc celui-ci, on fait une moyenne de 1000 points par mois, voilà, 1000 croix par mois, en sachant que ce modèle, il n'y a vraiment pas moyen de le mettre sur Pattern Keeper, donc on est un peu au pif, hein. On compte comme ça un peu au pif, mais le principal, c'est d'avancer dessus, même si on fait plus que 1000 points, moins de 1000 points. C'est pas très grave. Le principal, c'est de l'avancer. Voilà. Alors, certaines l'ont commencé ici en haut, d'autres l'ont commencé en bas. Donc, on n'est pas toutes en train de faire le même motif. Mais voilà. Mais au moins, on fait la même broderie. Voilà. Il est très, très joli. Hein. Sans tous les modèles, beaucoup de modèles de chez All Forest sont vraiment très, très beaux. Donc là, je ne sais pas en combien de temps on va le faire, on verra bien. Voilà. Celui-ci, c'est quoi? Oui. Alors, ici, c'est un modèle gratuit que vous retrouvez dans la boutique de Sabine, la boutique Poussière d'étoiles. C'est un modèle que j'aime de plus en plus. Il est vraiment très, très beau. Avec toutes ces couleurs. Oula, attendez, je n'ai pas piqué mon aiguille. Excusez-moi. Voilà. C'est le Bouddha. Voilà. Alors, je pensais réussir à terminer le visage cette semaine, mais bon, j'ai travaillé sur le visage, mais je n'ai pas réussi à le finir du coup. Je n'ai pas réussi à le finir, mais il avance très très bien quand même. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de le voir fini pour voir le résultat. Mais il est vraiment très très beau. Donc ce modèle, je vous dis, vous le retrouvez dans la boutique de Poussière d'étoiles. Vous allez dans la rubrique, je ne sais plus comment c'est marqué, fiche broderie, je pense, ou voilà. Et vous verrez, il y a
une rubrique modèle gratuit. Et là, vous avez tous les modèles gratuits que Sabine offre donc sur la boutique. Donc, vous faites comme si vous faisiez une commande. C'est quoi ça? Ah non, c'est un fil. Vous faites comme si vous faisiez une commande et arrivé à la fin de la commande, bien sûr, il y aura 0 euros à payer. Il faut que vous vous inscrivez en tant que cliente et vous passez la commande de cette grille ou d'une autre gratuite. Et vous pourrez la télécharger donc immédiatement après la validation de que vous ayez fini de valider votre commande. Vous pourrez le télécharger et laissez-la. Vous pourrez le télécharger tout de suite. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Alors le Bouddha, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Le Bouddha, il est où? J'ai fait 258 croix dessus. Et je suis arrivée à 24,46%. Voilà. Bon, et vous avez fini. Allez au dodo, panier, tous les deux. Panier, allez, Pacha. Va au panier là-bas. Ici, c'est quoi? Alors, oui, mais j'ai... Bon, je m'étrangle. Je ne sais pas si vous allez beaucoup voir la différence entre la semaine dernière et cette semaine, mais... C'est le sale mystère de Sabine. Alors, il faut savoir que le sale mystère est terminé. Voilà. Les personnes qui étaient à jour ont terminé complètement la broderie ou sont en train de la terminer avec la dernière étape. Moi, j'en suis, honte à moi, mais j'en suis toujours à la quatrième étape. Alors, j'y ai avancé un peu hein, aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous allez vraiment le voir à l'écran. Parce que c'est surtout des points à droite, à gauche, au milieu. Voilà, c'est un peu éparpillé cette fois-ci. Mais j'ai quand même fait... j'ai fait combien? 204 croix. Mais là, il n'en reste plus beaucoup à faire hein, sur cette étape-là. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu, j'ai mis le petit aimant. Voilà. Donc c'est le modèle que l'on brode. Maintenant, j'ai vraiment hâte de terminer. Mais bon. On va dire que... on va essayer de le finir pour fin avril. Mais bon, on verra bien. Voilà. Ensuite. Oui. Alors là, j'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai commencé ma nouvelle étape. Donc ça, c'est un sal que moi, j'organise. C'est le sal du Nouvel An. Voilà. Le thème, c'est automne ou hiver. Moi, j'ai choisi l'hiver. J'ai tous mes fils qui se baladent. Voilà. Alors, j'ai vraiment pas fait grand-chose, mais j'ai commencé la troisième étape. Elle est ici. Mais bon, ça ira mieux. De toute façon, là, j'ai jusqu'à la fin du mois pour le terminer. Voilà. Donc, je vous aurais mis une photo parce que là, bah, du coup, vous ne voyez plus cette partie-là. Alors, là, j'ai fait... alors, pour les personnes qui font ce sale, mais qui ne sont pas sur le groupe... non, 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 vous êtes sortis déjà. Allez, hop, non,
J'ai fait un petit changement. Alors, là, je n'ai pas réimprimé pour moi. Moi, là, c'est le mode portrait, hein. Il y a également le mode paysage. Mais j'enverrai par email les personnes qui ne sont pas sur le groupe. Vous recevrez dans la semaine le nouveau tableau. Parce que voilà. Alors, on a fait le 1. OK. On a fait le 2. On est en train de faire le 3. Mais au mois d'avril, il y avait le 4. Et après coup, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Surtout pour les débutantes. Parce qu'il va falloir qu'elles comptent leurs points. Pour se rattraper, pour attraper la quatrième case. Vous voyez, tout ça, ça n'aurait pas été brodé. Voilà. Donc, j'ai fait un échange standard. Le 4 est passé à la place du mois de décembre. Donc, avril passe en décembre et décembre est passé en avril. Voilà. Donc, celles qui ne sont pas sur le groupe mais qui le font, je vais vous envoyer un email ou alors envoyez-moi un email si vous le souhaitez et je vous enverrai le nouveau plan pour broder. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est corrigé, c'est le principal. Donc voilà. Ça arrive, hein, de faire des petites erreurs. Enfin là, c'est vraiment, c'est une erreur d'inattention. Hein, j'ai pas calculé. Ben, c'est surtout pour les débutantes ou celles qui n'ont pas trop l'habitude. C'est plutôt ennuyeux pour elles. Voilà. Hop. Ensuite, le sale de Julia, non, je ne l'ai pas sorti, le sale de Julia. La fleur qu'on fait avec Céline non plus, puisque Céline, elle m'avait demandé si on pouvait le faire à partir du mois prochain. Donc, je l'ai stoppé et on le fera le mois prochain. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, je vais finir ce qu'il y a dans le sac, ce sera plus simple. Ça, c'est ma broderie du dimanche soir. Donc, c'est ma broderie zéro cerveau, comme j'aime le dire. Voilà. J'ai. Est-ce que je l'ai terminé? Presque. Presque. Vous vous rappelez, j'étais sur cette feuille-là. Donc j'avais fait un petit bout ici. Donc là, ma feuille est pour ainsi dire terminée. Voilà, vous voyez, il reste ce petit bout là, le bleu là. Voilà, le petit bout de bleu ici. Et cette feuille là sera terminée. Donc ça avance doucement mais sûrement. Mais celle-là, c'est, je vous dis, hein, je suis pas pressée. Aucune de mes broderies, de toute façon, je suis pressée de la faire. Mais celle-là, c'est celle du dimanche soir. J'ai pas envie de. Des fois, j'arrive même à la broder sans loupe, celle-là. C'est du 14. C'est du 14 ou du 11, je ne sais plus. Non, c'est du 14. C'est du 14 CT. Et j'arrive quand je suis pas trop fatiguée à la broder sans la loupe. Donc, je suis tranquille. Voilà. À l'avance, doucement, mais sûrement. Donc, je vous rappelle que tout ce qui est en vert, voilà, ça, je ne vais pas le broder maintenant. Ce sera brodé à la fin. Parce que là, cette broderie va quand même durer, vous voyez, elle va durer un moment. Et tout ce qui se brode en vert, vous voyez, là, il y en a aussi, hein, sur le haut, ça se fait en blanc. Donc le blanc, je vais le broder, mais à la fin, pour pas salir le fil avec les manipulations, tout ça. Je préfère le broder à la fin. Voilà.
Mais elle est très agréable à faire. C'est que du bloc, hein. Aucun point arrière à faire, aucun point, aucun demi-point, rien. C'est vraiment du zéro cerveau. Voilà. Alors, dans le sac, je crois que je vous ai tout montré. La grenouille, j'ai rien fait sur ma grenouille cette semaine. Vous voyez, ah, la grenouille. j'ai pas eu le temps de la sortir cette semaine. Et la pauvre, ça fait plus de 15 jours qu'elle n'est pas sortie. Je vais essayer de la travailler dimanche après-midi ou je verrai, enfin dans la semaine. Voilà. Attendez, je range déjà ce que j'ai autour de moi, mais je n'ai pas terminé pour la broderie. Hein. Je range juste ce que j'ai à mes pieds. Je suis là tout de suite. Voilà, comme ça, je vois un peu plus clair. Alors, ça c'est un sale que l'on vient de commencer. Vous aurez compris, c'est le sale que j'organise avec une création de Sabine. Voilà. Oula, il faudra que je resserre ma toile. Elle s'est desserrée. Alors. Des fils partout. Voilà. Alors, j'ai pas encore fait beaucoup, beaucoup. J'en ai qui ont déjà terminé. Voilà. C'est le modèle, le colibri. Voilà. Mais alors, très, 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 très agréable à faire. Allez, c'est un bonbon, cette grille, avec ses couleurs, toutes ces couleurs acidulées. C'est vraiment un bonbon à faire. Je l'aime beaucoup. Et celle-ci, alors, le colibri, je l'ai fait quand le colibri? Ici. J'ai fait 481 croix. Voilà. J'avais déjà commencé la semaine dernière, hein, le colibri. Oui, j'avais commencé la semaine dernière, c'est vrai. Donc, cette semaine, j'ai fait 481 croix. Ce qui fait que j'en ai déjà fait 681 et je suis à 4,77%. Voilà. Alors, vous voyez toujours pas mieux la couleur de la toile, vous voyez. C'est rose avec des petits reflets blancs dedans. Voilà, et c'est une toile. Il va falloir que je le marque parce qu'à chaque fois je cherche. C'est une Evenweave étamine 11 fils. Voilà, et c'est la Dread Pétale. Mais elle est très très belle à faire. Très très. La toile est très super sympa à broder. Et le modèle, je vous dis, c'est un bonbon à broder. Donc dessus, on a 59 couleurs. Oui. Donc ça, c'est une grille que vous retrouvez pareil dans la boutique à Sabine. C'est une grille payante là par contre, mais elle est sur sa boutique. Alors, depuis tout à l'heure, je sais pas. Ah voilà. Hop. Vous la retrouvez donc sur la boutique en grille papier ou en PDF, suivant votre choix. Ensuite, je suis là. Donc là, on attaque. Les grands ouvrages.
Alors, j'ai, je suis à jour, ça c'est bien, voilà. C'est ma maison météo, donc je suis à jour sur ma semaine de température, voilà, ici. Et j'ai fait deux fenêtres, deux boiseries de fenêtres en plus, voilà. Donc là, il faut encore que je fasse, que j'avance cela, que je termine ma rangée de fenêtres, hein, mais un petit peu à la fois, ça se fait. Toujours, ben, toujours agréable à faire, hein, également. De toute façon, ça, je vous rappelle que c'est une grille que j'ai dessinée moi-même. Voilà. Et on en fait donc la maison météo. Voilà, ce qui fait que chaque... les six premiers mois de l'année dernière, enfin, les six derniers mois de l'année dernière, plutôt, on a... brodé, ou on a essayé, puisque moi je ne l'ai pas terminé, on a essayé de broder la structure, donc toute la maison. Et ici, maintenant, du 1er janvier au 31 décembre, on remplit les fenêtres, voilà, avec les températures de chaque jour. Donc une fenêtre correspond à une semaine, et chaque vitre correspond à un jour de la semaine, voilà. Mais ça va, un petit peu à la fois, j'avance mes fenêtres en même temps pour récupérer mon retard. Mais bon, je ne suis pas la seule. Hein. Hop, voilà. Ensuite... donc, toujours un grand sac. Alors, allez-vous... ah, je cherche la fermeture éclair. Mes pans royaux. Voilà. Alors, ça avance. Là, je suis sur le motif du milieu, bien sûr. Donc, c'est un je fais en monochrome. Voilà. Là, de temps en temps, vous arrivez à voir la couleur de la toile. C'est une toile rose vintage. Voilà, une étamine 12.6 fil. Vous savez que c'est ma toile de prédilection, hein, ça, l'étamine. Voilà. Et je la brode avec un fil DMC, le vrai DMC, le numéro 550. Voilà. C'est très agréable à faire, hein, ce modèle. Et puis, de toute façon, c'est un monochrome. Donc, bon, je ne vais pas dire que c'est un zéro cerveau, mais on n'a pas besoin de tenir compte des changements de couleur ou quoi que ce soit. Là, on sait que c'est toujours la même couleur. Et donc ça va. Donc à chaque fois j'oublie de le dire, mais tous les aimants aiguilles que vous trouvez sur mes ouvrages, ce sont des aimants de la boutique Poussière d'Étoiles, hein. Voilà. Alors, celle-ci donc avance doucement, mais sûrement. Celle-ci. Alors, vous avez pu voir, ben, vous l'avez vu aujourd'hui, une vidéo où je vous explique, c'est d'ailleurs dans le titre. J'ai ressorti mon ancienne broderie HAED, voilà, je dis les initiales, hein, parce que le nom en anglais, de toute façon, c'est moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, j'ai ressorti ma broderie HAED. Et là, je prends un plaisir monstre à la broder. Si je pouvais, je serais toujours dessus. Mais je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Alors, bon, là, ma toile n'est plus attachée, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, il y a de la toile partout. Donc,
ça vous donne déjà une idée de la grandeur de l'ouvrage. Donc je vous ai fait une vidéo que vous avez eue aujourd'hui, comme quoi j'ai ressorti mon achat ED et je vous explique tout. Donc je vous explique dessus justement comment je brode, ce que c'est ces petits bitonios là, voilà. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de tout à on a une vidéo en arrière, je vais y arriver, et vous aurez toutes les explications. Voilà. Mais alors celle-ci, vous voyez, ça fait c'est du la couverture totale, hein. C'est l'achat ED, souvent c'est toujours la couverture totale. Là, je brode également sur une toile 12,6 fils. Donc moi, ça me va très très bien. Je prends beaucoup de plaisir à la broder là, parce qu'en plus là, vous voyez, en brodant en diagonale, j'arrive du coup à changer de couleur un petit peu au fur et à mesure. Là, j'arrive dans les tons jaune, orange. Et quand je continue ici, je suis dans les tons bleus, violets du ciel. Voilà. Donc, je vous aurais remis de toute façon l'image de l'ouvrage, enfin, de le dessin que ça... Oh là là, j'arrive plus à parler. Le dessin final de cette broderie. Voilà. Donc, c'est... c'est une broderie du créateur Andy Russell, voilà. Donc, ça, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est il fait surtout des dessins, c'est un peu enfantin, un peu fantastique. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et celui que je fais, c'était mon préféré, hein, et celle-là, je l'ai commencé, comme je vous ai dit dans la vidéo, il y a peut-être un an et demi, deux ans. Je regrette parce que du coup, les deux ans que j'ai perdu dessus, j'aurais vraiment beaucoup, 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 beaucoup avancé. Mais bon, voilà. Là, si j'arrivais à faire 1000 croix par semaine dessus, je mettrai, alors j'ai compté que je mettrai à peu près deux ans et demi pour la faire, voilà. Mais je vous dis, elle est très grande, hein, voyez. Hop. Et de l'autre côté, voilà. Donc mais j'aime beaucoup. J'ai vraiment repris beaucoup de plaisir à la ressortir. Et voilà. Alors là, il manque encore des points. C'est parce que je suis en train de le remplir. C'était de la fois de quand je m'étais arrêtée. Ce que je disais dans la vidéo... Je pense que c'est pour ça que j'avais arrêté, parce que j'allais à droite, à gauche, au milieu. Je papillonnais pour broder, et les achats ED, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Les achats ED, alors soit vous travaillez par ligne, soit vous travaillez par case, soit vous travaillez en diagonale, comme moi je fais là. Et en fin de compte, en diagonale, ça, moi je trouve que ça va très bien. J'ai l'impression qu'on voit mieux le dessin avancer, mais voilà. Bon, là, pour l'instant, je suis encore dans le ciel, hein, donc il n'y a pas beaucoup de motifs. Mais quand je vais arriver dans la montagne, et puis après, toutes les petites maisons, tout ça, là, ça va être très agréable d'avancer. Voilà. Donc, celle-là, on va la revoir toutes les semaines. Et j'espère que j'avancerai bien dessus pour que vous voyez son avancement. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette broderie, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente
pour savoir pour avoir les explications. Voilà. Bon, je serais pas. Bon, déjà, vu mon âge, je crois qu'on peut commencer plusieurs achats ED, mais quand on est un peu plus jeune que moi. Parce que il faut quand même qu'on les voit terminer. Hein. C'est le but. Bon, là, je vous dis, moi, j'ai compté 2 ans et demi pour la faire. Je suis empatouillée là avec ma toile. Hop. Voilà, ça y est. Donc normalement, si tout va bien, je la verrai terminée. Mais il y en a d'autres que j'aimerais commencer, mais c'est impossible. C'est impossible. Ou alors il faudrait plus que j'ai toutes les autres broderies, que je n'en ai plus et que je ne travaille que sur de l'achat ED. Mais bon, c'est impossible. Voilà, je crois vous avoir tout montré mes ouvrages en cours. Voilà, je vérifie. Alors ça, la CAED, alors je l'ai fait en plusieurs fois cette semaine. 428, 187, ça fait 1, 2. 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai fait à peu près 1000 croix sur mon achat ED cette semaine. Alors, donc je vous ai montré tout ce que j'ai fait en broderie cette semaine. Donc, je vous rappelle qu'il y avait le dragon, il y avait la broderie estampée, le jus de carotte Lily Point, j'ai fait le colibri, le Bouddha. Ensuite, les pans royaux, Alice au pays des merveilles, la maison météo, ma broderie mystère et la CAED. Ouais, c'est ça, la CAED, j'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 4 fois cette semaine dessus. Voilà. Non, attendez. 1, 2, 3, ouais, si, 4 fois. J'ai fait 4 fois dessus. Donc, mon petit challenge que je voulais me faire, écoutez, je l'ai largement réussi et dépassé. Je voulais faire 3000 croix avec environ 250 croix par ouvrage. Bon, ça, les 250 croix par ouvrage, il y a des ouvrages, j'en ai fait moins, il y en a que j'en ai fait beaucoup plus, il y en a, voilà. Mais je suis, alors j'ai pas tout compté, j'ai pas compté d'aujourd'hui. J'ai fait à peu près 3800 croix cette semaine. Voilà, je voulais en faire 3000, j'en ai fait 800 de plus. Hein, donc c'est vraiment pas mal. Là, les ouvrages sur lesquels je n'ai pas eu le temps de travailler cette semaine, c'était les ronds de chez Lanart, ma grenouille, mon toast à l'œuf, et c'est tout. Oui, alors pas tant. J'ai quand même bien travaillé, hein, voyez. Bon, la steampunk, je n'ai toujours pas de toile, donc pour l'instant, c'est mis de côté. Mais bon, j'espère la semaine prochaine, peut-être, je verrai si je peux me commander une toile. Je verrai si je peux la commencer. Sinon, moi, je la commencerai au mois d'avril, hein, la steampunk, c'est pas très grave. En sachant qu'au mois d'avril, on commence également un nouveau sal. Je vous remets la photo. C'est les ours de Noël. Pareil, toujours de chez All Forest.
Donc ça, c'est une broderie qu'on va faire en 6 mois. On la commence le 1er avril pour la finir vers octobre-novembre. Comme ça, après le temps de faire le montage, tout ça, elle sera prête pour Noël. Voilà. Niveau broderie, bah écoutez, j'ai terminé de vous montrer ce que j'ai fait. Mais par contre, alors, c'est déjà dans le. Bah alors, tu t'allumes? C'est déjà dans mon panier. Je vous montre. Mais je crois que je vais. Alors, on est le combien? Le 9 ou le 10? On est le 9. Sur Univers Broderie, la promo s'arrête demain, donc je pense que c'est demain minuit. Mais y a, ce que je veux prendre là est déjà en rupture de stock, mais on peut le commander. Je pense que donc c'est la nouvelle grille que Lilypoint a sortie. Je vous la montre si ça veut bien s'ouvrir. Allez, ouvre-toi. C'est un petit peu long, hein. Désolée. On va l'agrandir. Voilà. Les cookies aux pépites de chocolat. Elles sont trop trop belles, ces broderies. Mais alors, sont magnifiques. La recette miam miam. Hein. Non, mais elles sont trop trop belles. Et la deuxième que j'ai mis dans le panier parce que ben, malheureusement pour avoir la promo donc moins 10% il faut commander pour 29 euros. Bon, je sais, c'est un piège, ça fait que l'on commande plus que ce qu'on voulait prendre, donc les 10% on les a pas vraiment gagnés. Voilà, c'est celle-ci, chocolat chaud. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit hein, j'hésite à chaque fois pour la prendre, mais elle me plaît tellement également que voilà. Alors, tout est dans le panier. Alors, j'avais mis la toile à broder, c'est des Aïda 8, des Aigarts blancs cassés. J'hésite encore, mais bon, de toute façon, il faut 29 si j'en prends qu'une. Ah bah oui, je peux en prendre qu'une dans ce cas-là. Ah bah si j'en prends qu'une, je suis pile poil à 29 euros. Donc je vais prendre qu'une toile. J'aurai bien le temps par la suite de prendre une deuxième toile. Sauf que. Alors, on a un cadeau surprise, donc je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je vous le montrerai quand je le recevrai. Ouais, je vais laisser mes deux toiles. Les fils, de toute façon, ça, j'ai ce qu'il faut. Hein. Là, niveau fil, j'ai ce qu'il faut. Et puis, j'en attends encore. niveau fil, c'est bon. Donc je crois que je vais craquer en direct. Hop. Oula, attendez, il y a des trucs en trop dans mon panier. C'est quoi ça? Attendez. Non, non, je veux pas tout ça là. Ah bah oui. c'est encore les fils de 1 à 35. Par contre, il y en a un qui me faut justement. Il me faut le 16. Le 16, je ne l'ai pas.
Bon, je ferai après, je pense, parce que là, ça rame. Ça rame, ça rame. Bon, ça rame un petit peu, du coup, je le ferai après la vidéo. C'est pas très grave. Alors, bah, niveau broderie, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on est arrivé, bah, à 1 heure. 1 heure de vidéo pour l'instant. Mais je pense que la vidéo sera moins longue que d'habitude parce que malheureusement, niveau tricot, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Alors, j'ai voulu me mettre d'abord au circulaire. Vous savez que le modèle que je vous avais montré, modèle vraiment super simple que je trouvais sur Bergère de France. Mais j'ai pas choisi la bonne laine. Alors déjà rien que pour le montage du rang de maille, j'ai galéré. Donc bah, du coup j'ai dès ce premier rang j'ai tout démonté. Et alors j'ai du mal à monter mes mailles sur des aiguilles circulaires. Donc je pense que je vais les monter sur des aiguilles droites. Là, ça va beaucoup mieux pour moi. Et je vais remettre les mailles sur l'aiguille circulaire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tricoter le premier rang, voilà, comme ça, avec l'aiguille droite et l'aiguille circulaire. Et je vais continuer après en rond, comme ils le disent. Parce que j'ai énormément de mal à monter mes mailles sur les aiguilles circulaires. Les aiguilles sont petites, donc j'ai pas l'habitude du tout. Et du coup, j'ai stoppé, j'ai dit non, ça va pas. Donc je reprendrai ça cette semaine, mais avec une autre laine. Et je crois que je vais monter d'un demi-numéro en aiguille pour être un peu plus à l'aise, je pense. Voilà. Là, c'est vraiment pour faire un essai. Donc, le pull est vraiment super simple. Donc, s'il n'y a pas de manches, c'est juste pour m'habituer à faire le tricot. Et on verra ce que ça donnera. Alors, niveau couverture météo, alors la 2023, je n'ai fait qu'un seul un jour. Je n'ai fait qu'un jour. Alors, parce que le montage de la vidéo de la semaine dernière m'a pris beaucoup de temps. J'arrivais pas à rester fixée sur ma couverture. Du coup, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et j'ai dit bon, j'arrête, je monte ma vidéo, je laisse la couverture sur le côté et on fera ça une autre fois. Mais vous inquiétez pas parce que bon, je sais qu'il y en a qui m'avaient dit. N'abandonne pas surtout ta couverture. Non, non, je l'abandonne, je vais pas l'abandonner, hein, je vais la terminer, ça c'est sûr. Du coup, ça me prend un peu plus de temps que d'habitude, qu'en temps normal, mais je ne l'abandonne pas. Je vais vous la remontrer pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma couverture. Je vais vous la présenter. Donc ça c'est alors, c'est une demi-couverture. L'autre moitié est en haut. Puisque celle qui est en haut, elle va du 1er janvier au 1er juillet. Et celle-ci reprend du 2 juillet. Et elle se termine le 31 décembre. Voilà. Allez, voilà, là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Oui, ben, vous attendez 2 minutes, les poilus. Voilà.
Donc ça, voilà, là j'en suis là. Voilà, donc ça c'est une moitié. Comment? Une fois qu'elle sera terminée, voilà, oui, je vais assembler les deux parties et pour en faire une seule couverture. Voilà, mais bon, il faut d'abord que je la termine. Là, j'en suis arrivée au 10 novembre. Donc, bon, il reste plus beaucoup hein, à faire. Un gros mois et demi à crocheter. Mais bon, ça va le faire. J'arriverai bien à la terminer. Mais je doute. Alors, je la fais avec du fil Amigo de chez Obi. Voilà, le plus fin. Enfin, il n'est pas si fin que ça, mais je veux dire. C'est là parce qu'il y a plusieurs sortes d'amigos et moi c'est le tout premier que je prends. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup. Voilà. Elle est toute douce. Et puis elle est chaude. Parce que quand je la crochette, si je l'ai sur mes jambes, je sens que bah, j'ai pas froid du tout. Voilà. Bon, écoutez, j'en ai deux qui veulent aller faire encore une pause pipi. Je leur fais faire la pause pipi. J'en profite pour boire un petit verre de thé pêche à queue à soif. je vais remettre tout de suite les broderies en place pour vous montrer la suite de la vidéo, c'est-à-dire en tricot et crochet. À tout de suite. Me revoilà. Alors, couverture. Météo 2024. Là, je suis à jour. Pas de problème. Je ferai. Il me manque le rang du dimanche, mais on est samedi, donc voilà. Donc, je suis à jour. Alors, je vais la laisser plier comme ça. Ce sera plus facile. Voilà où j'en suis. Donc, là, c'était. C'est ce qui marque le changement de mois, donc février-mars. Donc je fais une ligne blanche, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un mois qui change. Et voilà les couleurs pour l'instant. Donc là, il avait fait assez froid quand même. Mais sinon, là, ça se maintient. Bon, on a une petite journée un peu chaude. Un peu tempéré, donc là on voit il y a un petit peu de vert, mais sinon ça se maintient, on reste dans le bleu hein. En moyenne en ce moment la moyenne est de 10 degrés, 10-11 degrés, donc voilà. Donc ça se voit pas beaucoup, il faut gêner dessus. Je regrette un petit peu peut-être d'avoir fait ce point-là, mais bon, peut-être qu'après, par la suite, on verra mieux. Comme là, vous voyez, c'est de la maille serrée. Là, vous voyez, même moi, j'ai du mal à voir. Ici, il y a de la bride, de la maille serrée, de la bride. Voilà, je fais 7 jours en maille serrée, 7 jours en bride. Mais alors peut-être que là, si je fais ça, est-ce qu'on voit mieux? Oui. Voyez. Bon, j'ai des petits défauts de temps en temps. C'est parce que je rate. C'est pas que je rate une maille, mais je la fais des fois plus lâche qu'une autre. Mais bon, voilà. Donc là, on voit que c'est de la maille serrée. Et là, on voit que c'est de la bride. Vous voyez. Voilà. Si je mets tout près, on voit mieux. Alors, si je fais une semaine en bride, je vous l'ai déjà expliqué, hein, ça me fait environ 7 cm. Si je fais une semaine en maille serrée, ça me fait environ 4 cm. Voilà. Alors, je la trouve moins. Enfin, c'est peut-être parce que je fais des brides là sur celle-ci. C'est même sûr. Je la sens moins dense que celle de l'année dernière. Mais je pense qu'elle sera tout aussi chaude puisque c'est fait avec le même fil.
Donc je pense qu'elle sera tout aussi chaude une fois qu'elle sera terminée. Mais bon, c'est pas pour l'instant, hein. Elle sera terminée que le 31 décembre. Si je n'ai pas pris de retard d'ici là. Mais là, j'essaye de m'y tenir vraiment le plus possible. Chaque jour. De toute façon, là, je ne fais. Sur la celle de l'année dernière, je faisais un aller-retour pour faire une journée. Tandis qu'ici, je ne fais que un seul rang par journée. Donc, ça va un peu plus vite à faire. Et là, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure pour faire mon rang. Je le fais vraiment. Je fais le soir avant qu'on soupe, souvent. Comme ça, bah, je suis tranquille, c'est fait. Voilà. Bon, je ne sais pas si l'année prochaine, je referai une. Je verrai. Ou je ferai peut-être autre chose. Mais bon, on n'est pas encore à l'année prochaine. Il peut encore passer de l'eau sous les ponts d'ici l'année prochaine. Alors maintenant, niveau tricot, j'étais un petit peu fainéante. Alors j'ai pas ressorti mon pull camionneur. Il faut que je le ressorte. Hein. Celui-là, il faut absolument que je le ressorte. Que je fasse devant parce que sinon ça va me prendre la tête. J'ai avancé légèrement, mais alors je vous dis tricot, j'ai vraiment rien fait. C'est pas que j'avais pas envie, hein, c'est que j'ai manqué de temps. Et puis j'ai fait beaucoup de mon HAED cette semaine pour ma broderie. Du coup, ça m'a pris du temps sur mon temps de tricot. Voilà. J'ai avancé de 1, 2, 3, 4 ans. C'est une avancée quand même. Voilà. Donc, j'ai fait que 4 ans. Vous voyez ici. Non, là, bon, cette semaine, je vais saquer dedans. Comme on dit par chez moi, parce qu'il faut que je les termine ces pulls là, parce que ça va commencer à me prendre le chou. Dans 15 jours, c'est le printemps, j'ai même pas fini mes pulls, donc c'est des pulls que je mettrai pas. Voilà. Et le pull à chouchou, est-ce que j'ai avancé le pull à chouchou? Je m'en rappelle plus, je sais plus si je l'ai avancé. Alors. Est-ce que j'ai fait le pull à chouchou? Je sais pas. Alors. Tic-tic-tic. J'ai rien marqué en tricot. Ouais, ça, c'est bien. Bon, c'est pas grave. J'ai dû avancer si un petit peu, je pense. Voilà. Donc ça, c'est le débardeur. C'est le devant, hein. Voilà. Donc normalement je devrais plus être très loin. Enfin si, il y a encore des rangs. Hein. Mais niveau. Alors attendez, l'autre côté, il est où? Il va falloir que je reprenne un autre sac pour le voilà. Ouh là là, attendez, je me mélange les pinceaux. Voilà, c'est bon. Alors ça, c'est le dos. Voilà. Hop. Le dos était fait. Hein. Et oh si, je suis encore loin de l'emmanchure. Ouais, si, si. Voilà, emmanchure ici. Je suis loin. J'en suis encore loin. Alors attendez. On va le mettre dans ce sens-là, ça ira mieux. Hop. Là, l'emmanchure est là, donc j'ai encore
presque ce que j'ai fait là, il faut que je le refais. Ah ouais, là, il faut que je tape dedans. Hein. Pouh. Et c'est je vous avais dit, hein, c'est un désert, un océan, de Jersey, que du Jersey, 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 Jersey. Donc, il faut absolument que j'avance, faut que je termine tous mes pulls, enfin, tous mes pulls, il y en a trois. Mais là, cette semaine, alors, les rendez-vous médicaux, les courses, le truc que j'ai ressorti, mon achat ED, voilà. Puis, bon, on a eu des choses à faire à la maison, on a eu des ouvriers. On a eu les ouvriers aussi. Donc quand ils sont là, c'est compliqué. C'est plus compliqué de. Bon, je m'arrête pas, mais le rythme et puis n'est pas pareil. Ils sont venus nous mettre une porte là entre les deux pièces. Bon, ils en ont eu pas pour longtemps, mais bon, ça fait du bruit. Après, malgré qu'ils avaient nettoyé comme ils pouvaient, il a quand même fallu renettoyer après. Donc, voilà. Donc, c'était une semaine assez chaotique. Et du coup, ben, niveau tricot, j'ai pris beaucoup de retard. J'ai pas de rendez-vous hein, pour le tricot. Hein, je le termine quand je veux. Mais voilà, il est temps que je commence à terminer les pulls. Ce que j'avais dit la dernière fois. Dès que je serai à jour dans mes pulls qui seront terminés, que les trois sont terminés, si je suis pour retricoter quelque chose, je tricoterai un vêtement. Pas deux, pas trois, non. J'en ferai un, je le tricote, je le termine, je l'assemble. Voilà, hop, il est terminé. Ben maintenant, je peux en faire un autre. Le tricot, je trouve que c'est pas comme la broderie. C'est plus compliqué, alors pas pour tout le monde, hein. Je vois bien quand je regarde beaucoup de vidéos de tricot aussi. Bon, les filles tricotent toutes en circulaire hein, maintenant, pour ainsi dire. C'est vraiment extrêmement rare de voir des personnes qui tricotent en aiguille droite, à part les tricots de Manon. Je crois que c'est la seule qui tricote en aiguille droite, il y en a peut-être encore, mais maintenant tout le monde est en circulaire. Je disais ça pourquoi? Oui, je dis du coup, elles sont toutes avec plusieurs ouvrages en même temps, plusieurs tricots. Mais bon, elles ne font pas de broderie à côté ou la plupart, donc voilà. Non, je vais terminer mes pulls, c'est sûr. mais après, j'en ferai un à la fois. Voilà. Je ne ferai qu'un à la fois. Il est fini, bah, c'est bien, je reprends un. Il n'est pas fini, bah, je continue et je n'en recommence pas d'autres. Voilà. Bon. Bah, voyez, la vidéo a été très courte aujourd'hui. Enfin, très courte. Façon de parler, il est quand même à 1h20. Alors, la semaine prochaine, je vais essayer de travailler en priorité celle que je n'ai pas faite cette semaine. Voilà, ce qui fait que je vais travailler en priorité les hérons de chez la natte, ma grenouille. Le hall forest, le sale de Julia. Voilà. Donc je vais comment. Et puis, ah oui, mon toast à l'œuf. Je ne l'ai pas fait, mon toast à l'œuf. donc cette semaine, je vais attaquer cela en premier pour dire de les avancer. Et après, je vais essayer de faire le maximum sur mon dragon pour qu'il essaye de se terminer vite également. Le dragon, après ben le colibri, il faut que
Il faut que je l'avance. Hein. De toute façon, là, j'ai tout le mois pour terminer mon étape, donc je ne suis pas en retard. Le pan, bah, écoutez, je vais continuer au rythme de maintenant. Mon jus de carotte. Bon, je ne vais pas dire que je vais terminer le feuillage, ce serait un mensonge. Mais on va essayer de bien avancer le feuillage. Bon, la broderie du dimanche soir, ça je vous la compte pas, hein, l'estampée, parce que celle-là, bah, elle avance, là, doucement, on passe doucement, on s'en fiche un peu. Le pan, je vous l'ai dit, le dragon, le carotte, ma maison météo, mais ça c'est toutes les semaines, hein, je fais ma semaine de maison météo. Mon nouvel an, bon. Ouais, après il me reste le sal du nouvel an, le sal Alice au pays des merveilles, le sal mystère, mon Bouddha, mon toast à l'œuf, du coup, voilà. Bon, on va essayer de faire un maximum ce que je peux. De toute façon, normalement, cette semaine, c'est une semaine calme. Chouchou avait un rendez-vous médical cette semaine, mais le docteur justement a téléphoné tout à l'heure, il a reporté le rendez-vous à la semaine d'après, donc bah, du coup je pense qu'on bougera pas par si on a besoin de faire des courses ou alors aller à la boulangerie, voilà, mais ça va vite. Moi, j'ai juste un colis à déposer lundi ou mardi, mais je crois que lundi, c'est fermé, je ne sais plus. Enfin, bon, voilà, mais c'est pareil, ça va aller vite. Je vais à la boulangerie, je dépose mon colis à côté, c'est fait. Voilà. Donc, après, en tricot, bah, écoutez, comme je vous ai dit, je vais essayer d'avancer un max sur mes tricots, parce que là, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. J'en peux plus. Bon, le circulaire, on verra. Là, il n'y a pas d'urgence, hein, c'est juste pour me faire la main sur le circulaire, donc il n'y a pas d'urgence. Et avancer, donc, mes deux couvertures météo, avancer au max la 2023 pour pouvoir la terminer bientôt. Hein. Et ma 2024, bah, celle-là, je la fais tous les jours. Voilà. Et puis, il me restera donc le DP à faire. Alors, je ferai deux ou trois cases suivant mon humeur et le temps que j'aurai. Voilà. On va essayer encore de faire mon petit challenge perso, hein, de faire 3000 croix. Bon, j'ai réussi à les faire cette semaine, hein, donc on va essayer de renouveler ce challenge pour la semaine prochaine. Voilà. Et bien sûr, j'intègre le HAED dans mon planning. Voilà. Je cherchais les mots. Je commence à piquer du nez là, à être fatiguée. Je cherche mes mots. Bah, écoutez, j'ai essayé de vous faire une grande vidéo, mais il n'y est pas réussi. Mais bon, là, on est à 1h25, donc le temps que je finis de papoter, ça fera 1h30. Demain c'est dimanche, donc bah, aujourd'hui. Non, je pense pas que j'aurai le temps, mais je vous ferai donc au plus tard lundi la vidéo. J'ai reçu ma revue de broderie anglaise. Voilà, donc je vous ferai la vidéo. Le 15, donc c'est quand le 15? C'est pas moi, si, c'est la semaine prochaine. Oui, le 15, donc ce sera vendredi. Je vais me le noter pour pas oublier. Excusez-moi, mais je note pour pas oublier. Le 15, vous verrez la vidéo déballage des box broderie aimant aiguille de la boutique Poussière d'Étoile. Donc ça, vous l'aurez vendredi. Ben lundi,
J'ai pas reçu de colis. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec les colis, avec les partenariats, mais alors c'est au ralenti. J'attends un colis depuis fin janvier de Colorful DIY. Ils m'ont envoyé un message pour me demander si je l'avais reçu. J'aurais répondu non, pas reçu. Je leur ai renvoyé un message une semaine après, toujours pas reçu. Mais alors le pire, c'est qu'ils ne me répondent pas. Ils m'envoient un message, moi je leur réponds, mais ils ne me répondent plus. Donc je ne sais pas où est le colis. Ouais, j'ai plusieurs colis qui ne sont pas encore arrivés. Ça met un temps fou en ce moment. Je sais qu'il y a le Nouvel An chinois, mais bon, le Nouvel An chinois, il dure pas 6 mois quand même. Donc là, bah pour lundi, à moins que lundi matin je reçois des colis, je sais qu'il y a colis privé qui doit m'en livrer un, donc je l'aurai peut-être lundi, peut-être. Donc si je l'ai, bah vous aurez lundi, c'est unboxing, vous aurez un unboxing lundi si je reçois un ou deux, tout au moins un colis, mais bon, on verra. Je vous prépare également. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais les mettre en ligne, ceux-là. J'essaye au max. C'est ça aussi, hein, les vidéos me prennent du temps également. Hein, donc, pendant que je fais une vidéo, je brode pas. Voilà. Je dois vous faire une vidéo. Donc, c'est un peu la suite de la vidéo d'hier. Je vais vous faire une vidéo sur le Pattern Keeper. L'application, et je vais vous faire également une vidéo sur les HAED, enfin, surtout avec le site de HAED. Hein, je vais vous montrer comment choisir des ouvrages, enfin des grilles. Voilà. Et j'ai beaucoup de. Enfin, beaucoup, ces façons de parler. N'ai pas 50, hein. Mais je les avais mis où? Ouais. Là, j'en ai déjà une, deux, trois, quatre, cinq. Ah ouais, quand même, six. Alors, j'ai cinq, six vidéos d'épée que Chouchou avait fait. Alors, en plus, c'est des DP qui sont faits déjà depuis un moment. Mais les vidéos, on les a filmées, mais je n'ai pas encore fait les montages. Donc, ça, je dois vous les faire. Mais je ne vais pas vous faire des vidéos de DP tous les jours non plus. Donc, voilà. J'en ai une sur un DIY à moi que j'ai fait. Et après, j'avais marqué quoi? Oui, ça va, celle-là, elle est plus d'actualité. Je devais faire une vidéo Wind Parade 2023, mais bon, on va attendre. Je vous en ferai une dans quelques mois. Peut-être on fera un bilan, le bilan des 6 mois 2024. Ce sera mieux. En sachant aussi que mois de mai. Alors je pense que ça va, c'est fait, c'est tous les ans, mais est-ce que ça va être mis en route encore cette année? Il y a le, comment ils appellent ça? Le Stitchmania du mois de mai, là, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est un challenge où on fait une broderie par jour pendant tout le mois de mai. Donc chaque jour, on fait une broderie différente. Mais je sais pas si je le ferai cette année. Parce que là, c'est assez hard hein, quand même à suivre comme challenge. Donc ça, je verrai. Mais bon, on n'est pas au mois de mai encore. Mais en sachant que quand même, c'est un challenge qu'il faut préparer à l'avance. Donc on verra. Bah écoutez. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, ça, j'avais oublié. Je vous ai mis également avant-hier une vidéo. Alors, elle n'a pas beaucoup de succès.
Une foire aux questions. Donc, je vous demande, bah, comme on avait fait l'année dernière, si vous avez des questions à poser sur moi, sur tout ce que vous souhaitez, bah, vous me posez les questions sous cette vidéo. Donc, vous verrez, la vignette, c'est un grand FAQ, FAQ bleu. Hein, voilà, ça, pour vous repérer. Bah, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez et je vous répondrai là dans une semaine ou deux en vidéo. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Je vous répondrai en vidéo à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo. Elle dure 2 minutes, hein, pas plus. Allez la voir et puis mettez en commentaire toutes les questions que vous souhaitez me poser. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça y est, 1h30. Nous, on se retrouve bah, très rapidement hein, pour toutes les vidéos que je viens de vous citer. Si vous avez des demandes de vidéos, des idées, allez-y. Si c'est possible pour moi de les faire, je les ferai. Je sais que vous m'avez déjà demandé des vidéos que je n'ai pas encore faites, mais elles sont notées sur mon carnet, donc... Vous inquiétez pas, elles seront faites. Et ben en attendant, moi, je vais vous faire à tous des gros bisous. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, laissez-moi plein de commentaires, comme d'habitude. Pensez à me mettre les cases de DP que vous avez choisies. Voilà, pour que je puisse le faire cette semaine. Des petits pouces. Des petits pouces, plein de petits pouces. Et moi, en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.